de Johnny Hallyday, Adeline Blond, Diova, enfin, sortir du silence sur C8 dans Touche pas à mon poste. Ce mardi 20 mars, Julien Courbet a annoncé qu'Adeline Blond allait enfin sortir du silence, plus de 3 mois après la mort de son ex-mari, Johnny Hallyday. Voir cet article en vidéo. Julien Courbet a annoncé, ce mardi 20 mars, dans Touche pas à mon poste, qu'Adeline Blond allait enfin sortir du silence. Attente des médias depuis la mort de Johnny Hallyday, celle qui a été mariée 2 fois au rocker dans les années 90 s'exprimera pour la première fois dans le documentaire inédit produit par l'animateur « Héritage de Johnny, la guerre des clans » qui sera diffusé ce mercredi 21 mars. À 21h sur C8, le documentaire d'1 heure reviendra également sur les relations entre David Hallyday et son père, entre Laura Smith et son père, mais Julien Courbet a également promis d'énormes révélations. Demain, un document inédit sera présenté et il donne un regard nouveau sur l'affaire. De nombreux proches du rocker s'exprimeront, parmi lesquels Yves Régnier, qui révèle n'avoir jamais vu Laura Smith. Depuis plusieurs semaines, 2 clans s'affrontent autour de l'héritage du rocker décédé le 5 décembre dernier. D'un côté, les 2 aînés de Johnny Hallyday déshérités par leur père et de l'autre, Laetitia Hallyday, à qui le chanteur a légué l'intégralité de son héritage dans son ultime testament rédigé aux États-Unis. Les 2 clans s'affrontent actuellement devant la justice. 36 commentaires commentés, partagez cet article, partagé sur Facebook sur le même sujet, les lus, l'actualité closermac.fr dans votre boîte mail, inscription newsletter, vous êtes bien inscrit à la newsletter avec l'adresse. Je souhaite aussi recevoir les bons plans des partenaires du site conformément à la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, aux libertés. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant. Pour l'exercer ou en savoir plus, cliquez ici.